je suis un peu las de parler tout le temps de l'art brut sans arriver en vérité à définir cet art. C'est pourquoi j'ai renoncé un peu à utiliser le terme et je me suis décidé à tourner autour de cet art pour voir exactement ce qui peut se passer dans la définition et dans l'exposition d'un art aussi incompris et quasiment, à vrai dire, inconnu. C'est pourquoi je me suis attaché à trouver parmi les obscurs, les sans grade, ceux qui pouvaient m'apporter une réponse à cette question. Je parle des obscurs et des sans grade parce que ce sont toujours ou parfois des simples et que la simplicité est quand même l'apport de l'art brut à l'art en général. Ces inconnus sont parfois d'un grand talent. Je les ai trouvés dans des brocantes, je les ai admirés. Je crois que la peinture n'est pas pour moi la peinture en elle-même, mais l'appel qu'elle suscite quand je la regarde. Et cet appel, je l'ai eu pour deux naïfs qui sont le contraire de ce que peut être l'art brut et que j'ai donc exploré. Ils sont le contraire de ce que peut être l'art brut, puisque l'art brut est une souffrance dans laquelle l'artiste tente de se trouver un confort et l'habiter. Alors que le naïf habite tranquillement chez lui, décrit souvent son intérieur, aime les petits oiseaux, les fleurs, les prés, les ânes. J'adore les fonds d'atelier parce que d'abord ils sont relativement peu chers et deuxièmement parce qu'ils sont d'auteurs souvent inconnus qui ont parfois des toiles qui sont des révélations, qui sont encore des appels pour moi et qui sont en même temps des restes. J'aime le reste parce que le reste dans la peinture, c'est souvent ce que le peintre a aimé, a adoré comme ses enfants mal connus, mal compris, mal aimés, et ça reflète mieux que d'autres la vie même du peintre et du moins son état d'âme. C'est bon. Le premier de ces artistes, Blanchet, est donc un naïf maritime dont je pense que les toiles, les gouaches, les peintures qui représentent traditionnellement le naïf, celles des plages avec des baigneurs ensoleillés, parfois des régates en fond de mer, celles-là ont disparu pour la simple raison, me semble-t-il, c'est que celles-là ont été très facilement achetées par les villégiaturants. Voilà une toile particulièrement naïve, comme toujours, qui est une maison avec un petit voilier en bas, et une mer toujours bleue et plus légèrement bleue et peut-être légèrement grise, qui est typique de la toile naïve. Le naïf n'a pas très souvent une présence de la nuit dans ses toiles parce que c'est pour lui une vie ensoleillée, une vie du jour en fait, qui l'anime. Voilà cette toile naïve, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Cette toile naïve est assez intéressante parce que d'abord le noir de la mer, il y a rajouté du vert, et le bleu, le noir du ciel, il y a rajouté du rouge. Et ceci donne une nuit
particulièrement belle, avec toujours cette même île en longueur, avec un léger phare gris couronné par un fanal jaune. Ce naïf est en quelque sorte inhabité, car dans toutes ces toiles, vous ne trouvez, dans tout ce reste de toiles, vous ne trouvez pas de présence humaine. Voyez, voilà les maisons que l'on voit dans la, dans le lac ou dans la mer, qui sont des maisons typiquement naïves, avec une forêt typiquement naïve. Et je sais d'où elle est tirée, car évidemment, les montagnes ne sont pas bretonnes. Et toujours, il n'y a pas de personnage. Et ça, alors, c'est aussi un problème posé vis-à-vis de sa naïveté. Voilà une toile que je dirais quasiment moderne, qui montre une épave de bateau de pêche, avec quelques restes de coque et avec l'armature squelettique de celle-ci. Alors, cette toile est, comme toujours d'ailleurs chez lui, d'une clarté uniforme. Cette clarté uniforme, à mon avis, veut rendre et rend le poids du soleil sur le paysage. Elle est intéressante. Elle est intéressante parce que, contrairement aux toiles classiques, des peintres classiques, le bateau n'est pas noir. Il est toujours, le cimetière est toujours présenté comme quelque chose de sombre, symbolique du temps qui passe et de la mort. Là, vous voyez du squelette de ce gros bateau de pêche qui sont blancs, ou plus généralement d'un blanc un peu gris. Or, si vous vous souvenez de vos promenades sur le bord des plages, vous trouvez de temps en temps des arbres morts, qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont pas été déplacés, et qui sont d'un blanc étincelant et quasiment lisse, parce que le vent, le sable, les embruns, les pluies les ont rendus ainsi. Et c'est ainsi que le naïf voit l'ossature de son bateau. Je me demande ce qu'est cette toile. Ce naïf, de temps en temps, sort du naïf. Et vous remarquerez que la toile là est signée FB, alors que d'habitude il signe Blanchet. Alors cette toile, qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est un bateau, c'est un cimetière marin. Et là, qu'est-ce que c'est? On dirait presque que là, ce sont des bouts de coque, mais c'est un tableau de la nuit sur fond rouge et qui reste et qui demande que l'on s'interroge. Il jette sur la toile des couleurs primitives, noir, bleu, rouge, limitées d'ailleurs à cela, avec le fond bleu qui est quand même le fond de toutes ces toiles de cette mer qu'il semble vouloir quitter. Et voilà encore une autre où la convulsion est extrême et où le propos n'est pas exactement inscrit dans la toile. Mais c'est une véritable recherche fanatique et réelle des profondeurs.
Et c'est là que ceci rejoint un peu l'art brut. Vous avez ensuite continue cette recherche du mouvement, de la force, de l'élégance, parfois, qui s'impose à lui. Et là, vous voyez la première apparition de quelque chose. Là, vous voyez un enfant ou un enfant, avec les deux mains tendues, la tête, le corps, et là, un peu comme les deux restes d'un bateau. Voici une nouvelle toile qui commence à faire apparaître complètement la vision du peintre. Vous avez là un requin et là une sorte de baleine que l'on va retrouver dans un instant dans une autre et toile définitive, celle-là, puisque c'est la dernière toile que fait le peintre avant de mourir. Et nous trouvons ensuite la dernière toile, celle qui justifie en quelque sorte mon propos, et qui est celle-là, une pure toile que je considère comme d'art brut. Vous avez de nouveau les deux squales, un et l'autre là, encadrant le peintre lui-même qui glisse le long de l'eau et qui est emporté par le courant. Ce peintre qui est emporté par le courant, loin de la tache rouge, il est là en bas, indiquant dans son geste au chien de s'opposer à l'approche du personnage diabolique rouge qui tient dans ses mains ce que je pense être deux cierges noirs. C'est, me semble-t-il, le moment où le peintre rejette l'enfer et va bientôt mourir. Jusqu'à sa mort, enfermé, peignant convulsivement une peinture qu'il déchire la plupart du temps, et mourra 3 mois après. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que le peintre a senti qu'il allait mourir, a reçu l'annonce d'une maladie terminale? En tout cas, le voilà dans son atelier, en train de peindre convulsivement de la peinture. Or, cette peinture n'a plus rien à voir avec celle que la peinture d'avant annonçait, celle d'un naïf. Comme si, et c'est pour ça que je me permets d'interpréter cette toile comme je l'ai fait tout à l'heure, comme si l'ange avait en effet emporté tout le bonheur avec lui.